Sur ce site de plus d'un hectare, situé dans le quartier Saguéré, dans la commune du 10e arrondissement, sortira bientôt un grand complexe éducatif islamique. Lequel complexe disposera en son sein une mosquée, une école à cycle complet, un dispensaire et un orphelinat. Une infrastructure qui sera réalisée par l'association turque au Cap-d'Air au bout d'un an. Le président de cette association, Murat Ogur, souligne que la construction de ce complexe éducatif consiste à consolider davantage les relations d'amitié entre le Tchad et la Turquie d'une part et contribuer à la redynamisation du système éducatif tchadien d'autre part. Pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khatri Issa, la construction de ce complexe éducatif par l'association au Cap-d'Air confirme l'excellence des relations de coopération entre les deux États sous le leadership de leurs présidents respectifs. Cheikh Mohamed Khatri Issa a vivement remercié l'association au Cap-d'Air pour cette initiative. Le maire de la commune du 10e arrondissement, Mohamed Al-Habib Hassan, qui se félicite du choix porté sur sa commune pour abriter ses complexes, rassure du soutien de l'exécutif municipal afin que ce projet voie le jour.